Sola ikolo fungola fungola basola basola ikolo fungola fungola lola tumona tumona kembo na yo guya na yo guya na yo ikamwa e salema bisika oyo ya yo imba yawe ya yawe na ekogumba mera yo chante yawe eske lisa pa chante yawe na ekogumba mera yo iboso iboso na yo na kusa ceux qui sont venus avec des problèmes qui trouvent la solution. Ceux qui sont venus malades, Seigneur, qui sortent guéris, Seigneur. Car il est écrit là où il y a ta présence, il y a la guérison, Seigneur. Là où il y a ta parole, il y a la révélation, Seigneur. À ceux qui attendent des réponses, Seigneur. Laisse que ce message puisse être une réponse pour eux, Seigneur. Délivre à ceux qui sont enchaînés, Seigneur. Donne la paix à ceux qui ont manque, Seigneur. Par ta gloire, Seigneur. Et les saints te disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Salut ton voisin, bienvenue, bienvenue dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Je m'appelle l'homme de Dieu Béni Mamba. Je suis berger à Chypre, à l'église Femme Bio Chypre, Lefkocha, la capitale de la Chypre du Nord. Je suis dans la joie de pouvoir. Je remercie le pasteur David Pacha pour la considération.
et pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager la pensée de Dieu. Et j'honore la présence de tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs de la maison de Assis. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les hommes de Dieu? Et j'honore la présence de tout un chacun. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alléluia. J'aimerais vous dire une chose avant de commencer mon message, que vous êtes dans la bonne place. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es dans la bonne place? Vous êtes dans la bonne place. Parce que, vous savez, lorsqu'on est chrétien, la Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous savez, il y a une chose, je ne sais pas pourquoi j'aimerais vous dire que vous êtes dans la joie. Vous savez, lorsque un enfant est né dans le palais royal, il ne connaît pas son identité. Les gens l'ont dit parce qu'il est l'enfant du roi des rois. Autant qu'il n'a pas la connaissance, il ne saura pas qui il est. Je vous dis avec l'assurance que vous êtes merveilleux et heureux. Ça veut dire que le païen connaît votre valeur. C'est comme ça, un enfant de Dieu, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, peut être heureux et joyeux. Parce que tu connais qui tu es. Plusieurs cherchent à naître dans le palais royal. Mais nous appartenons dans le palais royal, le roi des rois. Amen. C'est comme ça, un chrétien peut toujours être heureux, que les problèmes ne puissent pas t'apprécier. Alléluia. Amen. Je voudrais passer rapidement. Mon enseignement aujourd'hui s'intitule les thèmes, les sept différents types d'hommes forts qui détruisent la vie d'un chrétien. Quelqu'un peut dire les sept types d'hommes forts qui détruisent la vie d'un chrétien? Je vais encore intituler les sept différents types d'hommes forts qui détruisent la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur Éphésiens 4, le verset 27. Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement dans la version BJC? Plutôt, lui c'est bon, moi j'ai le BJC. Verset nous dit Éphésiens 4, le verset 27. Est-ce que je pourrais avoir des lourds, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 4, verset 27. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. C'est bon. Est-ce qu'on peut répéter? Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. C'est là que nous allons travailler. C'est ça les passages clés de cet enseignement. La Bible déclare que nous ne puissions pas donner accès au diable. Plusieurs personnes ont du mal à bien vivre dans leur vie chrétienne. Ils n'arrivent pas à se faire. Vous pouvez chanter une bonne mélodie avec les claviers. Ça veut dire, lorsque on est chrétien, les gens ont du mal à bien vivre la vie chrétienne. Les gens cherchent à craindre Dieu. Les gens cherchent à marcher dans la voie de Dieu. Ils cherchent à entendre Dieu. Mais les gens se rendent compte qu'il y a un sans papa. Le diable, c'est comme si le diable est en train de peser dans la vie chrétienne. C'est comme si le diable est en train de faire, de prendre la place de Dieu dans la vie de certains enfants de Dieu. On veut prier, on n'arrive pas à prier. Lorsqu'on dit gêner, je fais un programme que j'aimerais gêner demain. Il y aura seulement quelque chose qui viendra m'empêcher, afin que je ne puisse pas gêner. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà reçu Jésus-Christ, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à arrêter les mensonges. J'ai déjà reçu Jésus-Christ, j'ai 10 ans, 5 ans en Christ, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours jaloux. Mais en réalité, on dit que lorsque quelqu'un vient à Jésus, les choses anciennes sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un vient à Jésus, les choses anciennes sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à vivre cette nouveauté? Pourquoi je retrouve les choses anciennes qui étaient dans mon ancienne vie et dans ma nouvelle vie? Dis à ton voisin, il y a un problème. Parce que la Bible déclare que personne ne peut rencontrer la croix et rester les mêmes. Comment veux-tu rencontrer la croix, mais tu restes les mêmes? J'aimerais vous choquer. Si ça fait déjà 3 ans que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais jusqu'aujourd'hui, le pasteur doit te rappeler sur certains détails. Mon frère, c'est qu'il y a un problème. Amen. Peut-être que tu n'avais pas rencontré Jésus, mais tu avais rencontré le pasteur. Parce que ce n'est pas le pasteur qui transforme, c'est Jésus qui transforme. Amen. On vous enseigne la religion.
Aujourd'hui, Jésus se met sur certains types d'hommes. Je voudrais vous dire que la délivrance, c'est au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom des apôtres. Ce n'est pas au nom des prophètes. Ce n'est pas au nom des évangélistes. La délivrance est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu sont devenus plus fanatiques des hommes de Dieu que de Dieu. Est-ce que je peux avancer? La Bible déclare que ne donnez pas la porte au diable. N'ouvrez pas la porte au diable. C'est-à-dire que le diable ne peut pas travailler en toi sans pourtant que tu ouvres une porte. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Comment un démon peut posséder un enfant de Dieu? C'est que d'un côté, j'ai ouvert la porte. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Parce que là où l'Esprit de Dieu habite, il y a l'absence totale de l'ennemi. Comment l'Esprit de Dieu peut habiter dans un corps où le péché aussi habite? D'un côté, la porte était restée ouverte. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de demander à l'église d'Éphèse de ne pas ouvrir la porte au diable. Alors, je voudrais parler de sept types d'hommes différents qui attaquent la vie des enfants de Dieu. Gloire à Dieu, si ta porte elle est fermée. Mais pour toi qui avais ouvert la porte, par la révélation de la parole de Dieu, tu vas découvrir quels sont les types d'hommes forts que tu fais face. Plusieurs personnes ont fait face à ces types d'hommes, ils ont succombé. Aujourd'hui, par la révélation de la parole de Dieu, nous allons beaucoup prier, nous allons nous lever contre les hommes forts. Alléluia. Amen. J'aurais déjà te donné l'assurance que l'homme fort qui dérange ta vie, aujourd'hui là, il va te lâcher. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Ton amen ne me garantit pas. Ton amen ne me garantit pas. Alléluia. Amen. Quand on dit amen, cela veut dire qu'il a son ainsi. C'est comme ça, dans l'église, un enfant de Dieu, il ne faut pas être trop triste, trop les charismes. Certaines personnes là-bas, ils sourient un peu trop. Mais quand ils viennent à la maison de Dieu, ils deviennent trop sérieux. Dis à ta soeur, ne sois pas trop sérieux ici. Dis à ton voisin, ne sois pas trop sérieux. Il y a certaines personnes qui rient là-bas. Là, c'est nos bénins. Pour dire un très sérieux. Mais pourquoi? La Bible dit là où il y a la personne de dire là-là. La liberté. Un enfant de Dieu doit être heureux. Il ne faut pas être trop sérieux comme ça là. C'est comme si on était dans un parlement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour Dieu? Il le mérite. Ce n'est pas un homme. Tu l'acclames là-bas. Tu l'acclames au Dieu de Dieu. Le roi de roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est qui tout chrétien pour parler d'abord de ces types, de ces types d'hommes que nous devons connaître, qui nous attaquent. On doit d'abord connaître un chrétien. Un chrétien, c'est clair. Un chrétien, en grec, ça veut dire Christos, qui veut dire un disciple du Christ. Quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Vous pouvez le lire sur Actes 11, le verset 26. C'est là qu'on avait appelé pour la première fois les chrétiens. C'est là que pour la première fois, on a utilisé les mots chrétiens. Les gens qui suivent Jésus-Christ. Je voudrais passer rapidement. Une vie, c'est quoi la vie? Parce que je suis en train de parler qu'il y a des sept types d'hommes forts qui attaquent la vie chrétienne d'une personne. Par rapport à mon dictionnaire, la vie, physiquement, m'a dit que la vie est une période qui s'attend dès la naissance à la mort. Alléluia. Ça veut dire, la vie est une période dès la naissance à la mort. Et même aussi un enfant de Dieu. Nous étions nés, la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Vous le connaissez, non? Oui. La naissance d'en haut. Nous savons que nous, ça ne sera pas la mort, mais ça sera là, l'enlèvement. Parce qu'il y a lui qui dit quoi? Ceux qui seront morts seront ressuscités. C'est comme ça, il y a une vie selon le monde, il y a aussi une vie selon Dieu. Alléluia. Oui. Un enfant de Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Oui. J'aimerais passer rapidement. Détruire, parce que nous avons parlé que ces sept hommes forts font quoi? Détruisent. Nous devons savoir ce que veut dire détruire. Détruire veut dire autrement, démolir, ruiner. C'est que là, on fait face à l'édifice. Détruire, c'est quelque chose qui a été construit, j'ai détruit. Par exemple, cette maison, je vais la détruire. Ça veut dire que ça a été construit, je prends un marteau, je vais frapper là, et puis j'ai à détruire. C'est ça l'erreur. Alléluia. Amen. On peut aller rapidement. Lorsque nous allons sur Jean 10:10, elle a dit que le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire détruire n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas être content de détruire certaines relations de personnes. Non, non. Un enfant de Dieu ne peut pas venir dans une église pour apporter la division. Non, non. Une prophétie qui vient détruire les gens, ça ne vient pas de Dieu. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à se dire que non, nous sommes les bouches autorisées de Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent détruire les églises dans les nations. Et ils se disent que hors de Dieu. Le service de Dieu n'est pas de destruire, mais c'est de construire. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? À partir d'aujourd'hui, tout celui qui s'élève au nom de Dieu, qui détruit n'est pas de Dieu. Amen. Selon la révélation de Jean 10:10. Alléluia. Amen. Là où il y a l'enfant de Dieu, il y a la construction. Amen. Il y a l'espoir. Amen. Il y a l'espérance. Amen. Il y a l'avenir. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. La première personne, le premier homme fort, l'esprit d'abattement. Quelqu'un peut dire l'esprit d'abattement? L'esprit d'abattement. Vous allez le lire sur psaume 34, berger rapidement. Psaume 34, versets 19 à 20. Psaume 34. Psaume 34, versets 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Yes. Le malheur atteint souvent le juste. Yes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Encore les répéter une fois. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un peut répéter, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je voudrais dire à quelqu'un qui a un cœur brisé, aujourd'hui l'Éternel va les réparer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve ceux qui ont les... l'esprit dans l'abattement. Voilà, merci Père, je pourrais prendre place. C'est quoi l'esprit d'abattement? Comment savoir si nous faisons face à l'esprit d'abattement? Une personne qui fait face à l'esprit d'abattement, c'est quelqu'un qui vit toujours dans les chagrins. Ce sont les personnes qui paniquent à tout moment. Ce sont les personnes qui vivent une vie dans la peur. Par exemple, je viens, je dis, ah, mon frère, j'ai un rêve pour toi, mais je te dirai après. Ah, souvent, ce sont des sœurs qui souvent font face à ça. On dit, sœur, j'ai reçu une révélation pour toi. Homme de Dieu, tu vas seulement me dire maintenant. Non, ma sœur, je te dirai après. Oh non, 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 vous n'allez pas me dire. Comme c'est bon, tu m'as informé là, tu dois me dire maintenant. Ce sont des gens qui tremblent. Même si on les dit, j'ai une bonne nouvelle, ça panique déjà. Ils ont toujours un soupçon négatif. Ça, c'était l'esprit d'abattement. Et puis beaucoup d'enfants de Dieu vivent de ça. Du sens que quelqu'un est en train de prier, mais il a l'esprit d'abattement en lui. Son cœur ne fait que trembler. Et lui, il en va vivre un demi-nuit. Comment ça va se passer? Une fois qu'on annonce une nouvelle, son cœur est toujours en train de faire ça. On lui dit que non, j'ai un message pour toi. Il ne va pas dormir. Il va te déranger jusqu'à ce moment-là. Non, moi, je n'aime pas ça. Il ne fallait pas m'informer que tu vas me dire. Frères et sœurs, lorsque tu vois ça, sache que tu es face à l'esprit d'abattement. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont découragés à tout moment. Il y a certaines personnes, hein, ils ont même les découragements plus que même les découragements en soi. C'est lui, il ne voit rien de positif. Ah, et aussi mal en beauté. Même la Turquie là, c'est autre chose. Ça ne marchera jamais. Ce sont des personnes, dès que tu vas les rencontrer, ils n'ont pas toujours à te dire, ici ça ne marche pas, tu ne réussiras pas. Frères et sœurs, quand tu rencontres des gens de personnes qui te disent que tu ne réussiras pas, sur qui? Fais directement les gens qui ont l'esprit d'abattement. C'est un esprit qui tient les cœurs. Il faut le dire que Dieu va te délivrer. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens qui ont l'esprit d'abattement, ce sont des gens qui ne voient que les choses négativement. Ils n'ont pas un point de vue qui marchera. Homme de Dieu, vous fatiguez la Turquie, ça a été ramassé. C'est un esprit d'abattement. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les personnes qui ont l'esprit d'abattement, ce sont les personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Il peut prendre une décision maintenant. Oh, homme de Dieu, je viens servir ici à l'église. Si maintenant vous le voyez sort, oh non, je deviens à votre église. Ça, c'est un esprit d'abattement. Ce sont les chrétiens qu'on ne sait pas les positionner. Il peut changer une décision juste après une prise. On lui dit non, là-bas c'est meilleur. Il vient. On lui dit non, mais qu'est-ce que tu veux juste? Oh, j'aimerais rester à Saint-Louis. À Saint-Louis, non, c'est bon, j'aimerais à Sarah. C'était un esprit d'abattement. Dès que je suis en train de parler, si tu trouves des gens qui dans ta vie, tu as un problème avec les décisions. Tu t'attends un peu trop. Tu prends un schéma, mais tu arrêtes subitement, tu changes. Tu peux voir quelqu'un à moins d'une heure, il a sorti quatre décisions. 1h30, il avait dit oui. 1h31, non. 1h06, je m'arrête. 1h02, oh, j'ai réussi. Ça, c'est un esprit d'abattement. Alléluia. Si tu te trouves dans ça, aujourd'hui, il y aura
ta délivrance. Est-ce que je peux annoncer? Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième type de personne, l'antichrist. Quelqu'un peut dire l'antichrist? J'avance rapidement. Nous pouvons les lire 1 Jean 2, le verset 18. Rapidement. 1 Jean 2, le verset 18. L'antichrist. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. Yes. Verset. Chapitre 2, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'antichrist. C'est qui l'antichrist? C'est simple. Lorsqu'on entend anti, on fait addition contre. Alléluia. Amen. L'antichrist, c'est un esprit qui vient attaquer les enfants de Dieu pour les faire naître hors de la volonté de Jésus-Christ. Les détourner de la voie du Christ. Alléluia. Amen. L'antichrist, comment savoir si je suis face à l'antichrist? C'est une réalité qui touche aujourd'hui l'Église dans le monde. L'Église est en train de faire face à l'antichrist. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu font face à l'antichrist. Lorsque l'obéissance à la parole de Dieu devient un problème. Ça, c'est l'antichrist, mon frère. C'est clair. Lorsque aujourd'hui, pour prier là, ça devient difficile pour toi, on doit te suivre à la maison. C'est l'antichrist. J'étais vraiment choqué. Le dimanche, on est allé avec le pasteur David, Daddy, pour aller prendre les gens pour venir à l'église. Il y a certaines personnes, le bus arrive, il n'est même pas prêt. On te met un bus gratuit pour venir te chercher. Mais tu n'es même pas encore prêt pour aller à l'église. Ça, quelqu'un est en train de faire face à l'antichrist. Lorsque pour prier, on doit commencer à dépousser. C'est l'antichrist. Venir à l'église, ça devient, il faudrait qu'on puisse t'appeler. Il y a même certaines personnes qui sont arrivées à des niveaux où ils se posent la question, est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Un homme de Dieu m'appelle et me dit, non, papa, j'aimerais que vous puissiez fermer la Bible. Mais dites-moi que Jésus-Christ est Dieu. Je dis, mais frère, il y a un problème. Je ne comprends pas. Tu parles du Christ. Mais qui aujourd'hui te dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Je me suis dit, mon frère, un problème. Il est face à l'antichrist. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent plus à s'obéir, à se soumettre aux serviteurs de Dieu. On a banalisé les sacerdoces. Le pasteur n'a plus du respect. Un homme de Dieu, c'est comme tout le monde, il passe sous les regards. Ça, c'est déjà l'antichrist. Lorsque tu ne sais pas te soumettre aux autorités que Dieu a établies devant toi, c'est déjà l'esprit d'antichrist qui est en train de te suivre. Lorsque tu vis dans le mal, tu fais l'hypocrisie, tu vas à l'église, tu ne peux pas entrer là où tu es malade. Comment le médecin saura? Tu es déjà face à l'antichrist. On pense que tu sers bien, tu chantes bien, tu prêches bien, mais tu as un souci avec toi, mais tu le caches en toi. Sache une chose, tu es face à l'antichrist. L'église ne se rend pas compte. Aujourd'hui, les sujets des miracles dans l'église sont devenus les sujets des mots guéris. Des gens qui sont là que pour s'asseoir à critiquer les hommes de Dieu, à dire qu'un tel est dans le fétiche. Oh, mais je me pose une question. Dans l'église primitive, la Bible dit que là où Jésus prêchait, il y avait des signes et des prodiges. Mais pourquoi aujourd'hui les miracles dans l'église, ce n'est pas un sujet pour les païens de se plaindre, mais ce sont les enfants de Dieu qui se plaignent. Je me pose la question, nous sommes face à quelle église? Alors qu'on dit que l'antichrist est déjà là, nous sommes à la dernière heure. La Bible dit quoi? Là où le péché surabonde, la grâce surabonde. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi les miracles deviennent de plus en plus difficiles dans la maison de Dieu? On n'a pas l'onction. Ce sont les hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu. D'un côté, les enfants de Dieu sont tombés dans l'incrédulité, dans leur tête. Et Dieu, Jésus-Christ, ne s'arrête que dans le manger, dans le boire, dans s'habiller, mariage et tout. Mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont réservées à eux. L'antichrist a occupé la morale des enfants de Dieu à se dire que tout ce qu'un miracle est magique. Moi, ça m'étonne. Alléluia. Ça m'étonne. Je vois des gens passer à la télé dire qu'un tel pasteur est féticheur. Écoutez, Edim Wepe ouvre quelqu'un un ventre ici. Il le sort tout ce qu'il a dans son ventre.
Il remet la personne, se lève. Alors si un homme de Dieu, à travers de lui, Dieu fait un miracle, pourquoi le considérer qu'il est faux? Certes, Matthieu en a parlé, il y aura des faux prophètes. Mais ce qui est sûr, là où il y a le nom spirituel, on va toujours reconnaître les faux. Amen. Dieu ne peut pas laisser que son peuple puisse se perdre. Nous devons chasser l'antichrist. Toutes ces hommes qui sont juste assis dans Kelemba, en train de faire les commérages sur les hommes de Dieu, détruire l'évangile. Oh, un pasteur célibataire, je ne peux pas aller prier. Qui t'a dit célibataire garantit la sainteté? Marié, ça garantit la sainteté? Non. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'antichrist commencent à travailler avec des doctrines anciennes. Moi, je ne peux pas aller prier dans une église où les pasteurs sont célibataires. Qui t'a dit que le pasteur qui est marié peut être plus saint que celui qui est célibataire? C'est de l'antichrist. Prêchons Jésus, disons aux gens que Jésus-Christ est en train de revenir. Arrêtons les discussions sur la doctrine. Arrêtons les discussions sur les hommes de Dieu. Arrêtons les discussions, une vaine discussion qui ne fait pas grandir notre foi. L'église d'aujourd'hui de ces temps fait face à l'antichrist. C'est comme ça, il y a peine de miracles. Un homme de Dieu se lève devant toi, tu le vois comme son ami. Il te parle, il te dit, ma soeur, fais ça, mon frère, fais ça. On a presque le même âge. Frère, dans le monde spirituel, faites attention. Amen. Il y a une différence entre un homme animal et un homme spirituel. Amen. C'est le sacerdoce. Allez-y dans les loges. Regardez comment tu peux avoir 7 ans. Mais si on te donne un grade, tu vas avoir vraiment un grand honorable sagesse. Les enfants de Dieu ont oublié le respect du sacré. C'est un esprit d'antichrist. Ils ne seront pas bénéficiés de la grâce que Dieu a déversée sur ses saints, afin de les amener, afin de les amener à sa rencontre. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu font face à ça. Ce sont des choses que nous devons changer à notre église. La soif d'entendre Dieu, courir derrière Jésus-Christ. Plusieurs se réveillent sans prier. C'est anormal. Tu dis que je suis épouse du Christ, mais combien tu as du temps pour parler avec lui? C'est l'antichrist. Les réseaux sociaux, toujours sur WhatsApp, 8h du temps sur WhatsApp. Mais comme je prêche comme ça, il y a déjà des gens qui regardent la montre. Il a traîné là. C'est l'antichrist. L'antichrist est en train de battre son temps. Les gens préfèrent mieux suivre les gars. Au Monero, au Videloin. Mais à l'église, ah, c'est l'église, ça traîne. Frère, c'est vrai. Je ne réfléchis pas. Mais d'un côté aussi, c'est l'antichrist. On peut changer fête et fête, ça n'a pas de problème. Mais si on dit prions jusqu'à demain ici, il y aura des gens qui diront, non, mais écoutez. Alors écoutez, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il y a toujours l'ordre à côté des dieux. Mais à la maison, là-bas, 8h du temps sur WhatsApp, il n'y a pas d'ordre. C'est l'antichrist. L'antichrist est en train de battre son temps. Il est là, mais les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'il va s'afficher comment? Les sommets spirituels, c'est parmi les signes de l'antichrist. Parce qu'on savait que Jésus revient, il doit avoir les réveils. Mais c'est à travers toi et moi que Dieu va passer. Est-ce que je peux avancer? Le troisième type d'enfant, l'esprit d'infirmité. Quelqu'un peut dire l'esprit d'infirmité? Vous allez lire rapidement sur Matthieu 10, 1. Ne lisez pas, je passe carrément. L'esprit d'infirmité, c'est quoi? C'est lorsque les gens qui tombent malades, à tout le temps, vous allez voir les gens venir à l'église, ils sont toujours malades. Parce que la maladie, avant que ça soit physique, ça commence par l'esprit. Alléluia. Amen. Qui était à scène rôle le jour que je parlais du paralytique de Capernaum? Les bergers étaient là. Une maladie spirituelle attaque le physique. Il y a certaines maladies, vous voyez, certains paralytiques. Certes, on a trouvé d'autres paralytiques dont c'était la gloire de Dieu. Mais la majorité, la volonté de Dieu n'est pas que l'homme puisse être malade. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à ceux qui sont malades. Aujourd'hui, la maladie va rester ici. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous allons chasser cet esprit d'infirmité. Quand sont encore les signes qu'on peut voir l'esprit d'infirmité? Il y a d'autres gens qui ne sont pas paralytiques. C'est la solitude. Vous allez voir certaines personnes, moi j'aime pas rester avec les gens, tu t'enfermes dans une chambre. La solitude, c'est parmi des signes qui montrent que quelqu'un est face à l'esprit d'infirmité. Des gens qui cherchent à se suicider soi-même. En cas d'un problème, moi je vais me tuer. Il y a des gens qui sont ici. Si ça t'a déjà arrivé, de penser que tu puisses te suicider, sache une chose, tu es face à l'esprit d'infirmité. Jésus-Christ a amené la solution pour toi aujourd'hui. Amen. Toi qui me suis, que tu sais qu'un jour tu as été tenté, t'es suicidé, ah moi je suis fatigué de la vie, hein. La vie c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Sache une chose, même quand tu sens des paroles pareilles sortir, moi je suis venu accompagner les gens sur ces terres, tu fasses à l'esprit d'infirmité. Ça va limiter ta vie, c'est une paralysie spirituelle. Tu es infirme, tu as besoin de la délivrance. Que Jésus-Christ puisse te délivrer, que tu marches. Alléluia. Amen. Quatrième type, donc faut rapidement.
L'esprit de la jalousie. Quelqu'un peut dire jalousie? Acte 13, 45, 46. La Bible déclare que Paul est en train de prêcher. Et les Juifs sont venus. Ils ont vu, il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de lui. La Bible dit, ils étaient jaloux. La jalousie, ça c'est très dangereux. Hein? Ça, on trouve ça même aujourd'hui dans l'église. Vous allez voir, les enfants de Dieu sont jaloux d'autres. Dieu a béni l'autre, tu deviens jaloux. Dis à mon frère, ne me jalouse pas. Ne me jalouse pas. Laisse Dieu me bénir. Le prochain, ça sera toi. Pourquoi tu me jalouses? Pourquoi? Frères et sœurs, c'est une vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus jaloux. Mais on dit que nous formons une même armée. Si Dieu a élevé le pasteur David Pacha, pourquoi je serais jaloux de lui? Vous savez, il y a des textes que la jalousie ne révèle pas. On ne voit pas les sacrifices qui sont cachés. Les gens sont prêts à jalouser la victoire. Mais ils ne savent pas que avant la victoire, il y avait d'abord la guerre et les combats. Il est inutile de jalouser quelqu'un qui a réussi. Parce que lorsqu'il s'est battu en Turquie, papa, il n'était pas là. Si aujourd'hui Dieu vous élève, vous rend honorable, les gens ne sauront jamais. Vous voyez parfois d'autres personnes être debout comme ça. Vous ne savez pas d'où ils ont commencé avec Dieu. C'est dangereux de jalouser un enfant de Dieu. Vous savez, Dieu a fait quelque chose. Hein. Il a caché la réussite dans le travail pour que les paresseux ne puissent pas réussir. Amen. La majorité des personnes qui jalousent, ce sont des paresseux. Amen. Ils ne veulent pas travailler. Lorsqu'il faut prier, il ne prie pas. Médite la parole de Dieu. Tu ne médites pas. Et aujourd'hui, Dieu bénit l'autre avec la connaissance. Tu es jaloux. Nous voyons même des hommes de Dieu sont tués, empoisonner les autres, dire des mauvais messages sur les autres. On était même pas sur les frères. C'est la jalousie. Amen. Souvent, les gens qui sont jaloux, ils amènent toujours des soupçons négatifs. Alors moi, je trouve un peu suspect. Hein. Regarde, un pimet, toujours un chaussure noir là. Il doit être de quelle loge? C'est la jalousie. Il y a certains, même quand je sois bien blanc comme ça, ah non, il doit être en vache. Souvent, lorsque quelqu'un fasse un esprit de la jalousie, lui, son soupçon devient toujours négatif. Tout ce que les gens trouvent positif, lui, ah, regarde un peu, garde les cheveux, pourquoi? C'est suspect. Hein? Alléluia! Est-ce que je peux avancer? Amen. La jalousie poussera toujours les gens à faire des choses dans leur nature, ils ne sont pas appelés de les faire. Normalement, l'homme ne peut pas tuer un homme. Socrate le dit clairement. L'homme n'est né pas pour faire du mal. Quand il fait le mal, il ne sait pas que c'est un mal. Il faudrait lui dire que ce que tu fais est un mal, c'est lorsqu'il va s'y retrouver. Sous la jalousie, il y a eu des gens qui ont détruit les autres. Sous la jalousie, ils ont empoisonné les autres. Il y a d'autres personnes qui sont les types de jalousies là, qui sont permanentes. Souvent, c'est au niveau des sœurs. Hein. Lorsqu'elles sont jalouses là, de leur fiancé là, vous allez la voir même, elle est toujours énervée. Il y a certains colères qui ne sont pas colères, c'est la jalousie. Souvent, lorsque tu vois quelqu'un qui a réussi bien de ton côté, même s'il est simple, vous commencez à donner aux autres l'orgueil. Frère, quelqu'un s'il a réussi, ce n'est pas de l'orgueil. Va poser la question, pasteur, quel est votre secret? C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas. Vous êtes prêts à jalouser les autres. Mais vous ne connaissez pas d'où ils ont commencé avec Dieu. Et la jalousie, souvent pour savoir si tu es face à cet homme fort qui est la jalousie, tu verras ton cœur est toujours avec l'inquiétude de voir les autres réussir. Ça, c'est dangereux. Hein? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas la réussite des autres. Lorsqu'ils apprennent, pasteur David a 100 000 personnes en Turquie, ton cœur commence à battre. Frère, Dieu, face à un homme fort qui est la jalousie, qui peut détruire ta destinée. Plusieurs enfants de Dieu sont passés à côté de leur bénédiction, juste à cause de jalouser les miettes des autres. Peut-être que ce que Dieu réserve pour toi sera plus grand que la mienne. Peut-être moi, je passerai en Turquie, mais toi, tu roses aux États-Unis. Et lorsque tu me jalouses, tu ne te rends pas compte de ce que Dieu a disposé pour toi. Sur ce, un enfant de Dieu, nous sommes tous un seul corps. Lorsque tu vois ton frère avancer, aide-lui. Il y a encore le plus grand niveau de la jalousie, dont les gens cherchent à s'approcher à côté de l'autre pour le détruire. Tu apprends qu'il évolue, tu viens dans son équipe, le pasteur te fait confiance, il te donne la chair, mais tu cherches seulement à séparer l'église. Ça, c'est très démoniaque. Les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Vous connaissez les grands péchés du diable, là. Le diable, c'est nourri de la jalousie, là. C'est à cause de ça, ça l'a envoyé sur la terre. Tu l'as précipité à cause de toi. La jalousie suscite l'envie. Il y a certains hommes forts qui marchent ensemble. Quand tu es jaloux, tu as aussi l'envie. Souvent, les gens qui sont plus jaloux, ils ont envie plus que les autres. Je voudrais dire à une sœur, si tu vois des gens sont jaloux de toi, sache que tu es une personne. Tu as de la valeur. Ne réponds pas, tu n'as pas le temps de discuter. Ils sont face à un homme fort. Amen.
Si tu n'as pas cette compréhension, tu vas te décoincer. Cinquième type d'enfant, le mensonge, l'esprit du mensonge. Ah, ça c'est clair, hein? C'est très fort. Il y a des gens qui peuvent mentir comme jamais. Enfant de Dieu, moi j'appelle les mensonges, c'est un esprit de l'école dimanche. Quand on était à l'école, on pouvait mentir, on dépose des questions. Tu as mangé quoi? J'ai mangé les poulets chez nous avec les frites. Alors tu n'as jamais même mangé les poulets avec les frites. Alléluia! Allez au village là-bas. C'est pour te dire que les mensonges, c'est très dangereux. C'est vraiment un enfant qui a fait tomber beaucoup de gens. Je voudrais vous dire une chose. Les mensonges, même dans la cité, quand tu es un menteur, ça finit ta crédibilité. Je dis sincèrement, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes ont été mis à côté juste à cause du mensonge. Un païen peut supporter un impudique, mais ne supportera pas un menteur. Car on dit, vaut mieux la vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir. Même les païens connaissent les mensonges et dangereux. C'est parmi les enfants qui battent l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu. Pasteur, vous rencontrez une sœur juste après l'église maintenant. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh non, j'avais mal au dos. Elle n'avait même pas mal au dos, elle était assise à la maison. Ma sœur, on avait cru. Pourquoi tu n'es pas venu? Pour même dire la vérité, j'étais en péché. Elle va créer seulement des raisons. Oh, j'avais mal à la tête. Tu vas te donner une maladie. Inutilement. Même des petits détails, le diable a changé le système. Il sait qu'il ne te verra plus dans la publicité, il ne te verra plus dans ça. Il va d'abord seulement à la langue. C'est comme ça, enfant de Dieu, évitons les mensonges, même des petits détails. Tu viens d'où? Oh, j'étais sur une route. Alors tu viens dans ça. Ça change quoi si tu dis à quelqu'un, j'étais juste à côté ici? Le diable a changé le système. Il travaille dans le petit détail. Elle me dit quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire. On n'a pas précisé. C'est comme ça, même les mensonges, ce sont les détails que plusieurs saints négligent. Oh non, j'avais seulement menti. Je ne voulais pas dire au pasteur que je n'ai pas pu venir à l'église. J'ai menti que j'avais mal à la tête. Frère, ça c'est un enfant. Tu dois le faire tomber. Alléluia. Le sixième type d'enfant, l'esprit de la publicité. Alléluia. Là, on peut quand même lire 1 Corinthiens 6, verset 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 20. Rapidement. 1 Corinthiens 6, 16 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouiller l'impudicité. On a dit quoi? Fouiller l'impudicité. Quelqu'un peut répéter, fouiller l'impudicité? Fouiller l'impudicité. Très bien avancé, papa. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Vous pouvez vous arrêter là? Prenez Proverbe 31, le verset 3, rapidement. Je pourrais déjà finir. Proverbe 31, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. N'est-ce pas? Ok. Et tes voix à ceux qui perdent les rois. D'accord. Alléluia. Amen. On nous a démonté, on nous a d'abord dit en 1 Corinthiens 6, le verset 16, que c'est lui qui se lie avec une prostituée. Ils viennent tous un seul corps. C'est très dangereux cet enfant. Il combat plusieurs enfants de Dieu. Beaucoup de gens pensent quand nous prêchons sur la sanctification, c'est juste pour. Il y a une sœur que je l'ai parlé sur Facebook, tu as dit, ma sœur, Dieu me parle de ta vie, tu dois arrêter ça. Elle dit, non, nous sommes dans un monde où les pécheurs jugent les pécheurs. Je lui pose la question, par rapport à quoi tu dis ça? Oh non, mais écoutez, vous allez me dire que vous n'avez jamais péché. J'ai compris, non, ça c'est un homme fort qu'elle fait face. L'esprit de l'impudicité. C'est quelque chose de très dangereux qui a fait tomber plusieurs chérons. L'impudicité n'a pas perdu ton onction. Il n'a pas perdu parler en onction. Ça n'intimide pas. Vous vous imaginez une personne comme David. Il y a quelqu'un qui récite triple onction, l'onction royale. Ça sort de ta tête prophétique. Mais il est tombé sur le charme du Bathsheba. Peuple de Dieu, l'impudicité n'est pas bon. Elle détruit les vies. Elle détruit les visions. Elle détruit les miracles de Dieu. Vous savez, je voudrais vous dire une chose.
Les sexes, c'est quelque chose de bien. Les sexes est une valeur sûre que Dieu a mis à l'homme pour sa reproduction. Vous savez, Dieu a créé le monde par la parole. Mais la multiplication de l'homme n'est pas faite seulement par la parole, mais c'est au travers du sexe. C'est un instrument qu'il faut faire trop attention. C'est un instrument de gloire de Dieu. Il y a certains canaux d'onction qui peuvent passer dans le corps d'une personne. Par une position de main, tu peux libérer l'onction de Dieu. Un paralytique peut marcher. Tel que Paul a parlé à Timothée. Mais tu ne peux jamais donner un enfant par une position de main. Dieu, c'est un Dieu qui respecte la nature. Il a fait toutes choses pour un but. Les sexes avant le mariage, ça te détruit, mon frère, ça te détruit, ma soeur. C'est une réalité qu'on doit le dire. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent quand nous vivons la vie chrétienne, oh, le sang de Jésus est là, je veux me sanctifier. Je peux tomber, je vais me sanctifier. J'aimerais te dire, la vie chrétienne est une course. Ne pense pas que dans la vie chrétienne, quand tu restes debout, tu vas rester sur place. Quand tu restes debout sur place, sache que tu commences à reculer. Tu vas jalouser les autres que vous avez commencé. Vous allez voir le berger qui vous dit apôtre, bishop et tout ça. Toi, au moment de se confier à Dieu, toi, tu préfères rester tout droit comme ça. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention avec le sexe. Beaucoup d'enfants de Dieu, pour eux, d'autres là sont de péché. L'impudicité, ils sont face à ça. Ils trouvent ça comme sinon, Dieu a mis les sons. Frères et sœurs, plusieurs destinées ont été détruites à cause de l'impudicité. C'est une vérité. Ce qu'on fait, la Bible dit, fouillez. Mais j'aimerais te dire une chose. Avant de fuir l'impudicité, tu dois d'abord chasser cette nature de l'impudicité en toi. Car avant de fuir, la nature ne doit pas être en toi. C'est un péché que nous tous, on a fait face à l'équipe par homme de Dieu, pasteur et autres. Beaucoup de gens pensent se marier, cela nous garantit de l'impudicité. C'est faux, en fait. Si quelqu'un n'a jamais été fidèle à soi-même en étant célibataire, tu penses qu'il sera fidèle en étant marié? Beaucoup de gens pensent que se marier, ça chasse l'impudicité. Et la convoitise. Car il n'y a pas que l'impudicité, il y a la convoitise aussi. Il y a des gens qui peuvent convoiter du matin jusqu'au soir, tout ce qui passe est bien. Mais au juste, c'est quoi au juste? Il y a même des hommes mariés qui se sont mariés à cause de la convoitise. Oh, la serre, ah, les formes et tout ça. Quand tu verras forme plus que ça, tu suis encore. Frères et sœurs, nous devons être délivrés. Jésus-Christ est là, on va prier contre cet homme fort. Plusieurs gens ont raté leur destinée à cause juste des formes. Elle a les lèvres roses. Tu penses que c'est elle la mère avec les lèvres roses? Quand on verra l'orange, tu diras quoi? Oh, j'aime les albinos. J'aime les filles qui sont noires. Tous ces critères-là, c'est la convoitise. Un enfant de Dieu ne marche pas selon ces principes-là. Il y a même des gens qui vont même loin. Ils vont même jusqu'au niveau de la masturbation. Ah, ça, c'est grave. Hein? Il s'est satisfait lui-même. Frères et sœurs, ça détruit l'âme. Ça détruit l'âme. Car le sexe est la gloire de Dieu. C'est pas pour rien que nous les couvrons. Frères et sœurs, prenons ça au sérieux. Ce qu'on sait, un homme qui gêne beaucoup détruit l'impudicité. Ce qu'on sait, l'impudicité ne résiste pas dans le gêne. Nous devons être des hommes de jeûne et prière. C'est pas pour rien, lui a dit, priez sans cesse. Avant que tu puisses sourire, en toi, ça ne doit pas être là. Jésus-Christ a dit, les diables peuvent venir en moi, ils ne trouvent rien de lui en moi. Et donc, que tu ne vis pas dans l'impudicité, mais tu es dans la convoitise. C'est dangereux, tu ne fuis pas. Parce que lorsqu'on a attrapé la femme sur le lit, elle est allée courir dans le pied de Jésus. La grâce nous apporte aussi les problèmes. Hein? Dans la loi, le péché était l'action. Mais dans la grâce, le péché devenu l'en-pensée. Pensez-vous quand Paul disait que le mal dont je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Le bien dont je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal dont je ne voudrais pas faire, c'est ce que je fais. Il ne faisait pas l'action à l'acte. C'était plus la pensée. Ce qu'on s'est dit, je ne voudrais pas vous laisser dans l'ignorance, que vos pensées soient occupées par le Saint-Esprit. Car souvent, l'impudicité vient par la pensée. Il y a certains Jézabel, certains délits qui sont dans l'église, qui ont fait tomber Samson. Ce sont aussi des hommes. Moi, je ne condamne pas les sœurs. Les gens disent, l'homme de Dieu, tu parles que les sœurs. Il y a certains frères qui peuvent venir à l'église. Il devient même modérateur. Il vient juste pour détruire ta vie, ma sœur. Pécher avec chrétien. Oh, je couche avec les pasteurs. Cela ne change pas le nom de l'impudicité. Ça reste la publicité. J'ai bien certain, une certaine qui me dit, homme de Dieu, à Chypre, elle me dit, moi je sors qu'avec des hommes de Dieu. Je suis très fier de ça. Je dis, ma soeur, tu pèches, tu rends l'enfer. Les péchés ne changent pas les noms parce qu'on les fait avec un homme de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, oui, j'étais dans le monde comme je n'ai pas pu vaincre la publicité. C'est dans l'église que moi je veux me chercher un frère en Christ ou une sœur en Christ. Mon frère,
Si tu n'as pas pu le vaincre à l'intérieur, ne pense pas que non, si tu viens continuer avec ça à l'église, que Dieu va te donner le salut. Ce sont des choses qui détruisent les destinées. C'est comme ça lorsque la gloire de Dieu vient. Dieu donne la sagesse au pasteur, l'onction. Ça n'arrive pas à se déverser. Pourquoi? Les sirènes, les eaux sont là. Ce sont des hommes forts qui détruisent même la vision. C'est comme ça souvent les gens sont dans la pornographie. Vous êtes des gens appelés à voir des prophéties, des visions. Qu'est-ce que tes yeux voient? Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. C'est comme ça que je suis rentré dans la prospérité. Qu'est-ce que tu regardes? Vous passez vos temps sur des films pornographiques. Regardez les formes de femmes. Aujourd'hui, on voit passer 12 choses dans le monde. Le monde est détruit, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est en train de revenir. C'est comme ça que je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un ici. Je suis venu juste te réveiller. Nous devons savoir une chose. Nous tous, peut-être on n'aura pas la chance de nous repentir. Il y a certaines personnes qui pensent que les péchés, on s'habitue avec ça. Les péchés ne viennent pas seulement pour te faire plaisir, mais ça vient pour te détruire. Un sentiment de 5 minutes, inert ou quoi, mais peut-être toute une destinée. Et tu vas jalouser l'autre dire que non, elle n'est pas belle, mais comment elle s'est mariée? Elle savait rester dans les pieds de Dieu. Elle savait s'attacher avec Dieu et obéir. L'impudicité. Un grand géant. Un homme fort. Qui a renversé les églises. Qui a renversé les nations. Un frère m'a dit, il faut arriver à une dimension où vous voyez que les péchés, c'est la bassesse. Comment voulez-vous voir un homme responsable, un père de famille, qui va descendre sa braquette devant une fille de 12 ans, s'il vous plaît? Pédophilie. Les hommes sont allés même plus que loin. Ils commencent à coucher même avec les animaux. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Les démons de la pédicité, cet homme fort, et tant que tu as caché avec lui, on va prier. Tu vas rencontrer l'homme de Dieu, on n'a plus le temps. Ça dépendra de la manière que tu voudras. Mais j'aimerais te dire une chose. Son rôle vient pour te détruire. Car la sémence que Dieu a déposée en toi, ça ne doit pas sortir de la manière dont tu penses. C'est comme ça, les diables, quand tu fais ça, les diables ne t'empêchent pas de parler en nom. Tu perds dans l'impudicité, mais tu vois que ta vie spirituelle évolue. Ça, c'est le diable qui dément. C'est comme ça, on faisait dernièrement une délivrance à Chypre. Une sœur a commencé à parler en langue. Dieu me dit, vous êtes ses serviteurs, j'ai dit, tais-toi. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus, elle est rentrée normale. Toute prophétie n'est pas de Dieu. Ne pense pas quand tu marches mal, que tu t'élèves à la chair, tu chantes l'onction. Ce n'est pas l'onction. Les démons sont en train de démentir, en fait, tu te perds. Plusieurs hommes de Dieu fuient, courent, chercher les patriarches, des papas David, priez pour moi. N'aie pas honte, même si tu es un imposteur. Cet homme fort, on ne le combat pas de la manière dont tu penses. Tu as besoin qu'on te donne les stratégies. Comment vaincre la publicité? Si tu n'as pas la connaissance de ça, tu perdras ton âme. Car les délits là, elles sont entrées avec une sémence pour te perdre. Plusieurs personnes devaient passer ici en Turquie. Peut-être vous allez passer une seule fois. Juste à cause de la publicité, leur destinée a été bloquée. Mais j'aimerais te dire une chose. Ne regrette rien. Car aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. L'Éternel va te donner un feu. En fait, lorsque les sirènes des eaux viendra par tes yeux, par ta bouche, par tes oreilles, ça deviendra un canal de feu. Car Joseph a résisté de loin à la femme de Potiphar, c'est parce qu'en lui, il n'y avait pas la publicité. Si en lui, il y avait la publicité, il allait courir comme David avait couru pour appeler la femme. Amenez-moi la femme. Alléluia. La dernière type d'homme fort, la désobéissance. La désobéissance. Quelqu'un peut dire la désobéissance? La désobéissance. 1 Samuel 15, le verset 22. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu désobéissent à Dieu. C'est très dangereux. Ça, c'est un enfant très dangereux. La désobéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Il avait dit en Josué 1,8 que ce livre de la loi et ses longs points et ta bouche. Médite-les. Enfin que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu en prions. Mais il y a beaucoup de gens que Dieu les a parlé ici. Vous savez, il y a des gens qui prennent même des engagements à l'église. Homme de Dieu, je voudrais soutenir comme ça. Dieu, que Dieu te donne l'argent, tu commences à voir ta belle veste. Tu commences à voir que non, je dois faire ça. C'est une désobéissance. Lorsque tu prends des engagements avec Dieu et que tu n'obéis pas,
Sache que mon frère, tu es en train de marcher face à un homme fort qui est l'esprit de la désobéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance qui est dans les sacrifices. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui jeûnent beaucoup. Ils prient beaucoup. Mais le fait qu'ils n'obéissent pas à Dieu, vous allez voir les autres, ils prient peu que toi, mais ils prennent ce dont tu demandais pendant 3 ans. Il y a une personne qui a pris ça juste dans un jour. Par la Bible dit quoi? La prière d'un juste a beaucoup d'efficacité. Qui est un juste? C'est la personne qui obéit à Dieu, qui se soumet à 3 autorités, à l'autorité de l'Esprit Saint, à l'autorité de Dieu et de sa parole. Car la parole est Jésus-Christ, la parole vivante. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, refusons la désobéissance. Tu prieras, tu diras à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la désobéissance. C'est un enfant qui peut te faire rater même le royaume des cieux. Saül a été rejeté à cause de la désobéissance. C'est parmi les détails que les enfants de Dieu négligent. Ils aiment que Dieu vienne à leur secours, mais ils n'oublient pas les premiers détails. Alléluia. Amen. Je voudrais m'arrêter par ici. Je voudrais vous dire une chose, que tout homme ne sera pas millionnaire sur la terre. Amen. Ça, c'est une vérité. Amen. Nous tous, on ne sera pas millionnaire. Mais il est possible d'être plus qu'un millionnaire parce que tu as Jésus-Christ. Amen. Car celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. Je voudrais te dire une chose. Les 7 types d'hommes forts que tu as pu voir, qui viennent pour détruire ta vie, tu ne peux que les vaincre par Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Personne ne peut mettre Jésus de côté et avoir le chemin libre. Amen. Car si tu le refuses aujourd'hui comme ton avocat, demain il sera ton juge. Amen. Penses-tu que dans les jugements de Dieu tu seras juste? Si dans les jugements des gens on te trouve avec des défauts, à plus forte raison si tu passes dans les jugements de Dieu, tu seras juste. Profitons de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je prie pour cette église. Je demande, Seigneur, ta grâce pour pardonner toutes les fautes et tous les péchés. Toutes les choses répréhensibles, Seigneur, que tu as évoquées ici. Tu as dit là ta parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et fermez pas vos cœurs. Que les cœurs ne soient pas fermés à ces paroles que nous avons entendues. Que chaque cœur puisse recevoir cette parole. Tu as dit que ta parole est une semence de vie, Seigneur. Est une semence permanente. Tu as dit que la parole que nous avons entendue, c'est elle qui nous sauve. Que cette parole puisse délivrer quelqu'un. Il est écrit déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Que cette parole purifie les pensées. Que cette parole purifie les âmes. Déloge tout esprit qui avait pris contrôle des âmes et qui les empêchait d'obéir à la vérité. Que ces esprits libèrent au nom de Jésus. Que ces esprits libèrent au nom de Jésus. Que ces esprits libèrent au nom de Jésus. Que ces démons libèrent au nom de Jésus. J'ordonne et je commande de libérer au nom de Jésus. Les désobéissances, de l'impudicité, les mensonges, l'abattement, les jalousies. Je commande que tu libères cette église. Tant qu'un ange est établi dans cette église, je t'ordonne de libérer. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Seigneur, sois seul maître de chaque vie ici dans cette église. Toi seul règne et domine. Amen. Et fais parmi chaque chrétien spirituellement. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur.